Pour les gens qui n'ont pas pu suivre vraiment le convoi de la liberté, qui était un succès quand même phénoménal. Donc j'ai tenu à faire un petit texte pour que les gens soient un petit peu au courant, malgré toutes les chaînes qui n'ont pas relaté ces faits. Donc le convoi de la liberté, j'ai mis les casseurs de la police macronienne. Ils cassent le monde en petits morceaux, ils cassent le monde à coups de marteau, disait Boris Vian. J'ai participé au convoi de la liberté jusqu'à l'étape de Troyes, avec plusieurs d'entre nous, Itonnet, d'Auxerre, de Sens et d'Avalon, et nous remercions toutes les personnes qui ont aidé à ce ravitaillement et à l'organisation générale. Une fois arrivés à Troyes, nous avons vécu des moments inoubliables de solidarité, de fête. Quand les avant-gardes du convoi ont commencé à arriver, ce fut un cordon discontinu de voitures, de motos, de caravanes, de camions qui a duré plus de 6 heures. Il faisait froid le soir, 0 à moins 2 degrés, mais notre cœur était si chaud que nous ne sentions rien. Emmenés par une joie indescriptible, avec des étoiles dans les yeux, les uns chantant, les autres criant, les autres dansant, jusqu'à notre départ vers 22 heures. Merci aux gendarmes qui nous ont accompagnés sur place pour la sécurité de tous, un véritable service public avec de vrais gardiens de la paix. Ah, rien à voir avec ceux qui nous attendaient à Paris. Et puis, dimanche, au compte rendu, à regarder les lives des journalistes indépendants qui ont filmé tout ce qui se passait vraiment à Paris et autour des convois de la liberté, car rien sur les chaînes, vous avez vu, et que des mensonges. Au lieu d'être là pour contenir d'éventuelles violences, ce sont les forces de l'ordre elles-mêmes qui ont fait preuve d'une violence innommable contre le peuple français, à coups de matraques, dans tous les sens, les vrais flashballs, des grenades, des lancers totalement au hasard sur des gens pacifistes qui ne faisaient rien d'autre que de crier « liberté » et d'avoir un drapeau français à la main qui se trouvait simplement là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Des vitres de voitures cassées, des camping-cars cassés avec des familles et des enfants à l'intérieur, des amendes distribuées à tour de bras pour le grave délit, simplement, d'arborer un drapeau français. Plus de 7000 casseurs dits CRS, tous très jeunes, armés jusqu'aux dents, avec des chars de l'armée, des centaines de voitures, de camions de police, des tracteurs anti-barricades, s'étaient rassemblés pour accueillir les manifestants. Très agressifs, ils ont commencé sans sommation, sans discussion, par tirer des gaz lacrymogènes très toxiques pour la santé et dangereux sur toutes les voitures, des manifestants bien sûr, mais aussi des Parisiens, des touristes, indisposant dans le métro, dans les bars et les boutiques alentour. Pourquoi un tel déploiement de force et de violence face à un mouvement pacifiste? Et notre président de la République, Macron, après avoir séparé les Français en deux camps et après avoir promis d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, en faisant exploser le concept d'égalité au passage, fait subitement appel au calme, vous avez bien entendu. Alors il a sorti l'artillerie lourde pour soi-disant maintenir l'ordre, mais son but n'était-il pas, en réalité, l'inverse, inciter à la violence pour décrédibiliser le mouvement et passer pour un héros. C'est d'un tel ridicule que ça me paraît presque drôle, mais c'est très grave. Honte à ce gouvernement, à nos médias complètement corrompus, et encore plus aux forces de l'ordre qui ont été engagées, ces pantins qui semblent dénués de toute conscience et de toute humanité, qui n'hésitent pas à s'en prendre à des gens pacifistes, à frapper des femmes, des personnes âgées, des enfants, à mettre des gens à terre sans aucune raison, à blesser des innocents. Comment peuvent-ils rentrer chez eux et dormir tranquilles? Mais dans tout ça,
gardons le positif. Le peuple français se réveille, enfin. Il est prêt à se battre pour ses libertés et pour un monde plus juste. Même le monde entier se réveille. Et ce ne sont plus des centaines de milliers de personnes, mais maintenant des millions à travers le monde qui se lèvent contre l'oppression grandissante de tous les gouvernements, contre l'injustice, contre les lois liberticides que l'on nous a imposées ces dernières années. Aussi, nous devons y croire, partager ce combat et aller au bout. Aux dernières nouvelles, une partie du convoi de la liberté qui a relié Strasbourg ce jeudi, ils ont été reçus par une délégation avec des députés européens, appuyés de Maître Cruzat de Réaction 19, cabinet d'avocats qui défend les lois. Et tout s'est bien passé. Ils ont bon espoir d'avoir été entendus. Une vidéo a été émise confirmant ce débat en temps réel sur place que nous avons vu. Honte à cette loi de ségrégation toujours en cours. Honte à ces personnages vulgaires qui divisent les Français. Honte à ce régime politique autoritaire. Une bonne continuation de route pour le convoi de liberté en Europe. Ils sont toujours là. Non au passe, non à l'injection forcée, non à la violence, pour la protection des enfants. Vive la liberté. Au fait, savez-vous que 34 000 Iconés n'ont pas pris leur troisième dose? C'est grâce à nous. Et savez-vous que 4,5 millions de Français n'ont pas pris leur troisième dose? Donc nous sommes actuellement, je pense, environ 10 millions. Ça passe. Voilà, donc c'est bon. Aujourd'hui, on va célébrer le symbole du drapeau français. Le drapeau français est l'emblème de notre manifestation. Pour la défense d'expression du peuple français, nous allons les agiter tout au long du parcours. Vive la liberté, non au passe, vive le drapeau français. Je ne suis pas en silence, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas gilet jaune, je ne suis rattachée à aucun parti. Nous sommes juste nous, avec nos valeurs et nos engagements, et notre volonté à agir ensemble et à rassembler pour une meilleure humanité. Je suis venue mardi à votre réunion anti-passe, tout d'abord pour vous rapporter ce témoignage que j'ai pu vivre dans ce convoi de la liberté. Je devais partir 2 heures avec mon père, Camille, Marie, au rassemblement d'Auxerre. Et en voyant l'engouement, nous sommes partis 2 jours. Nous avons fait partie du convoi de la 4 et nous avons vécu des moments que personne n'oubliera. Et ce n'est pas fini. Voyant autant de personnes réunies et réussir à prendre des décisions tous ensemble, sans réel leader, mais un peu tous à notre échelle. Il y a différentes prises de parole où chacun s'exprime, donner son avis sans colère, sans volonté de pouvoir, et cela se détermine par un vote. Un bel exemple, je trouve, de la démocratie, celle que nous voulons retrouver et regagner. Il y a plusieurs thèmes abordés, les expériences et les questionnements de chacun autour du convoi de la liberté. Ils ont parlé aussi de leur action, car eux aussi manifestent tous les samedis. Ils ont créé un centre d'information, ils utilisent des codes, des QR codes qui amènent à des liens d'information. Ils ont tout ça. Thank you.
vous avez remarqué, on a fait un petit départ inhabituel avec une prise de parole sur le convoi de la liberté pour expliquer pourquoi on avait des drapeaux bleu, blanc, rouge un petit peu plus que d'habitude dans le cortège. Et du coup, tout ce qui est nouvelle du collectif, eh ben, on va se les faire ici. On a un petit peu décalé. Ah ben voilà. Hélène, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à te rapprocher. Donc on va vous faire passer toutes les infos du collectif. Moi, ce que je dois vous faire passer comme info, excusez-moi, je le recherche, c'est que vous vous rappelez, on a fait des prises de température la semaine dernière par rapport à vos avis sur les futurs manifs, et il y avait une grosse majorité qui avait l'air d'avoir envie d'aller au Clairion. Donc nous irons au Clairion la semaine prochaine. Du coup, on souhaitait prévenir tout le monde en amont, comme on avait dit qu'on le ferait, afin que tout le monde puisse s'organiser. Et on le redira de toute façon la semaine prochaine pour qu'on puisse repartir en petits groupes, de manière à ce qu'il n'y ait pas les soucis d'agression qu'il y avait pu avoir quand on était revenu de la polyclinique et que certains d'entre nous avaient été pris à partie. Pensez bien, la semaine prochaine, quand on repartira des Clairions, qu'il y a certains d'entre nous qui ne sont pas d'Auxerre, qui ne connaissent pas bien la ville, et restons en petits groupes pour la prise de parole en ouverture de manifestation était le travail de l'antenne communication. Antenne communication qui, depuis maintenant 3 semaines, fait une revue de presse qui est aussi à disposition sur le site dont j'ai les petits papiers dans le sac. Et je vous passe Hélène de l'antienne soutien. Ouais. Oui, bonjour, je suis Hélène, je suis référente de l'antenne soutien. Ouais. Et je voulais vous dire qu'il y a toujours un groupe de parole qui est accessible au personnel suspendu, qu'il soit soignant ou non. Alors, c'est pas facile en ce moment, il y a des personnes vraiment qui tiennent et qui, ben, pour qui c'est difficile, parce que déjà ils ont perdu leur rôle dans la société, c'est souvent des fonctions de vocation en plus, et qui ont du mal aussi à trouver, puisqu'elles se remettent en question, un autre travail, tout simplement, et c'est assez compliqué. Donc si vous aviez peut-être des propositions à leur faire ou des pistes. Ben moi, je reste ici dans la manifestation. Je récolte, si vous voulez aussi, si vous êtes concerné, les adresses e-mail pour vous intégrer dans le groupe de soutien. Et puis voilà. Et pour ces périodes compliquées aussi, je voulais faire un petit clin d'œil à l'antenne culture. Parce que qu'on soit suspendu ou pas, ou en tous les cas, si on est là, c'est qu'on est bien sensible aussi aux injustices qui sont faites depuis 7 mois maintenant et beaucoup plus. Et ça fait du bien de sortir, ça fait du bien de danser, ça fait du bien de se relier aux autres. Thank you.
dernière, on avait préféré voter en levant la main. Après, si ça vous gêne, il y avait eu une proposition d'applaudimètre et une proposition de se mettre en groupe. Donc, est-ce que vous préférez vous mettre en groupe, l'applaudimètre, lever la main? Voilà. On revient sur le lever de main. Très bien. Donc, on va se parler des revendications. Parce que comme vous avez pu le remarquer, on a un peu fait évoluer nos banderoles. Sur le principe, je pense que vous êtes tous plus ou moins d'accord, mais dans une idée d'horizontalité, de démocratie, comme on le souhaite, c'est bien de le respecter entre nous. Donc jusque-là, notre mouvement, dans les déclarations en préfecture où on nous demande de poser les revendications du mouvement, nous demandions le retrait du pass sanitaire puis vaccinal. Et comme vous l'avez vu, en réunion, on s'est dit que ce serait peut-être plus pertinent de demander l'abrogation. Donc êtes-vous OK pour faire évoluer notre revendication de retrait à abrogation du pass? Yes. Je m'en doutais, mais c'est mieux de se demander l'avis, je pense. Comment? La différence, ben, le retrait, c'est ce qu'ils vont nous faire d'ici quelques semaines et qu'on nous prédit, et qui fait qu'ils pourront le remettre quand ils voudront. L'abrogation sera un effet juridique et ils ne pourront pas le refaire. Enfin, si, ils pourront toujours le refaire. Mais ils ne pourront pas le refaire aussi facilement. C'est l'abrogation de la loi. Oui, tout à fait. Mais vous avez majoritairement voté pour abrogation. Donc bon, du coup, la banderole de tête, on est bon. Bravo à l'antenne Action qui a réalisé la banderole de tête. Bon boulot, les gars. Ensuite, toujours suite aux consultations de la semaine dernière, depuis cette semaine, dans les revendications posées par la manifestation, nous demandons la réintégration des personnels soignants. Mais ça a été complété en réunion, donc est-ce que vous souhaitez faire évoluer avec le complément ou pas? Donc jusque-là, on en était à réintégration des soignants et en réunion, on a proposé de rajouter la rétroactivité des salaires. Oui, on est d'accord pour... D'accord, parfait. Bon, là aussi, on pensait que vous étiez d'accord. Hein. C'est juste, on demande l'avis par principe. Alors, après, on part sur des choses assez nouvelles, mais plutôt intéressantes. Parce que bah, jusque-là, on n'avait pas forcément pris le temps d'y penser. Et puis, embarqué dans l'élan, en réunion, il y a plein d'idées confusées. Donc, on va partager avec vous et vous allez nous donner votre avis. Il y a eu une idée concernant l'arrêt, ou alors abrogation, c'est à vous de me dire, de l'état d'urgence sanitaire. Abrogation. Alors, abrogation du pass, abrogation de l'état d'urgence sanitaire. Oui. Vous avez le droit de crier, hein. Il y a eu aussi une mention à la liberté de... Alors, oui, là par contre, il faut qu'on décide ensemble. Jusque-là, on parlait de liberté de choix sur le vaccin. Et en réunion, on a eu des propositions pour une demande sur l'arrêt du vaccin. Donc là, il va falloir réussir à se situer. On est plutôt pour laisser une liberté de choix par rapport au vaccin ou pour l'arrêt du vaccin. Je vais vous le poser en deux fois. Alors, liberté de choix. Voilà. Et arrêt de la vaccination. Ah, alors, faut le refaire avec plus de bruit, parce que franchement, ou alors sinon, on ne le mettra pas. Parce qu'on n'a pas de consensus. Enfin, pour moi, il n'y a pas eu un consensus clair. Je vous redemande. Liberté de choix. Et arrêt de la vaccination. Donc, c'est arrêt de la vaccination. Voilà. Ensuite, on avait le retour de la liberté de prescrire pour les médecins. Ouais, soyez enthousiastes, les gens, merci. Voilà. La semaine dernière, comme on était dans les revendications du convoi de la liberté, avait été abordé le sujet du pouvoir d'achat, qu'on n'a pas souhaité mettre sur la déclaration de manifestation parce qu'il y avait eu un consensus majoritaire, mais plutôt mou. Et donc, je vous repose la question. Et si de nouveau, on a du mou, on repassera par une consultation en ligne pour compléter le truc. Donc, est-ce qu'on ajoute des histoires de pouvoir de sur le coût de la vie? Oui ou non? Oui. Coût de la vie. Oui, oui, oui.
voyez que c'est... Je pense qu'on repassera par une consultation en ligne pour compléter cette revendication. Il y a aussi une idée... Courage, il ne reste plus que deux. Écoutez, parce que c'est les revendications, c'est bien que vous sachiez pourquoi on est là. Alors, l'avant-dernière, il y a eu une demande pour demander la publication de ce qui se disait lors des conseils de défense. Ah oui, quand même, ça. Hein. Oui, ça, c'est a priori, oui. Et il y a eu aussi une demande pour avoir une publication de chiffres objectifs et vérifiables concernant la vaccination, les effets secondaires, etc. Oui, non, oui. On se le refait. Donc là, vous avez dit qu'on était pour l'abrogation du pass. Vous avez dit qu'on était pour la réintégration des soignants et la rétroactivité des salaires. Ouais. Parce qu'il y en a un qui a dit qu'ils étaient des traîtres et compagnie, il faudra qu'ils fassent des excuses en public. D'accord, on veut des excuses. Parce qu'il faut qu'on ait une formulation, tu vois, pour mettre dans une revendication, quoi. D'accord, il faudra travailler sur ce point. D'accord, tout le monde y réfléchit et on s'en reparle. Du coup, on peut en reparler la semaine prochaine sur les excuses et la façon dont il y a eu des maltraitances, les violences et tout ça. Mais on continue sur ce qu'on a décidé là. On a décidé aussi qu'on voulait l'abrogation de l'état d'urgence sanitaire. Oui. On a dit qu'on voulait le retour à la liberté de prescrire pour les médecins. Oui. On a dit qu'on voulait l'arrêt de la vaccination. Oui. On a dit qu'on voulait la publication des conseils de défense. Oui. On a dit qu'on voulait la publication de chiffres objectifs et vérifiables sur les vaccinations, les effets secondaires, etc. Oui. Voilà. Eh ben, pardon ? Ah mais ça on peut pas le mettre en revendication je crois. Non parce qu'en fait on peut pas décider à leur place. Ah oui. Oui, et le président aussi travaille pour nous. Oui, du travail. Du coup, eh ben je vous félicite, je trouve qu'on a bien bossé. Et que ces revendications pourront donc être maintenant rajoutées à nos déclarations de manif. On va continuer tranquillement vers les Cordeliers, où on s'arrêtera pour faire un petit hommage rigolo à la réouverture des discothèques. Je vous ai compris, y a
t'emmerderas. Thank you.
Donc 14h, place de l'Arquebuse, et donc on ira faire un petit tour au Clairion.